Le 6 mai prochain, le roi Charles III sera couronné. Meghan Markle et le prince Harry n'ont toujours pas donné leur réponse quant à leur participation, mais il semblerait que le couple fasse déjà partie d'une liste B. Le 6 mai prochain, le roi Charles III sera couronné devant 2000 invités et des millions de téléspectateurs. Un événement historique pour lequel Meghan Markle et le prince Harry ont été invités. Mais le couple n'a pas encore donné une réponse officielle quant à sa présence. Mais voilà que certains plans ont été bouleversés. En effet, l'experte et commentatrice royale Daniela Elsé a averti que les parents d'Archie et Lily Bay devront accepter de faire partie d'Idi la liste B dans la procédure s'ils assistent au couronnement. Être rejeté par votre frère, votre belle-sœur et à peu près tout le monde, à l'exception d'un ou deux cousins sans importance, avec chaque instant filmé pour notre délectation à domicile, semble à peu près aussi agréable que d'aller chez la duchesse d'York. De plus, le fils aîné du prince Harry et de Meghan Markle fête son anniversaire le même jour. Leur fils Archie, qui aura 4 ans ce jour-là, n'a pas été invité, même si Charles, en tant que petit garçon, avait cet âge où il s'agitait et bâillait pendant le couronnement de feu Sa Majesté, a-t-elle écrit. Cependant, selon The Times, les Sussex devraient révéler leurs intentions dans quelques jours. Les plans du couronnement ont été révélés et montrent ô combien les membres actifs de la couronne joueront un rôle de premier plan lors du service religieux du 6 mai. Le déroulé du couronnement de plus, la procession du couronnement mettra en vedette des centaines de membres des forces armées du Royaume-Uni, du Commonwealth et des territoires britanniques d'outre-mer, ainsi que les gardes du corps du souverain et les bateliers royaux. Charles III sera couronné de la couronne de Saint-Édouard du XVIIe siècle, qui a été redimensionnée pour lui, avant de passer à la couronne d'État impérial plus légère à la fin de la cérémonie, selon la coutume. À propos de l'auteur-rôle passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles et Charles III, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Haut de scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des